Wow. Bonjour mes amis. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour en savoir plus sur Napa Valley. Nous apprécions votre temps et votre soutien pour notre région et nos vents. Okay, now I will switch to English because that is all of the French I know. Thank you so much, Catherine, for the introduction. As you said, my name's Connor Best. I do international marketing. The Napa Valley Vintners, we're the association of 550 wineries in the Napa Valley, marketing and working together to promote the region. I must admit, my French is pretty rusty. I grew up in Louisiana and took many years of French in school, but now I live in southern Spain and I'm trying to learn Spain. I'm actually coming from Spain now. And when I speak, I just can't speak in any language these days. So, special thank you to Catherine and Michelle for doing this and for setting this up. And to also Claudie and Raymond, who represent us in Montreal. We really appreciate your support and for making this and all of our promotions happen. First, I'd like to just say a little bit about what Michelle will be presenting today. Napa Valley Rocks is a presentation that we developed many years ago, basically as a tool to help people like you sell and to talk about Napa Valley. And so it's a great tool for your salespersons. It's a great tool for anyone who is selling Napa Valley wine or presenting Napa Valley wine at the dinner table, at the dining room table in a restaurant, or even talking to the media. I think this is it's a great tool. It anticipates the tough questions and gives you some of the answers to those tough questions so that you can be confident in talking about the Napa Valley. All of these materials are available on our website. Just go to naparocks.com. You can find the PowerPoints. You can even find them translated, thanks to Claudie for translating them into French for us. And you're welcome to use the materials. Please use them. There's also an online training there. A couple big announcements or a couple of things that are on people's minds these days. I know people are going to ask us about the fires. Yesterday we made a big announcement that I'm really proud of that I'd like to just talk one second about. First, I'll take the announcement. Yesterday, our association and all of our 550 members banded together to announce more than $1 million to support inclusivity and diversity in the Napa Valley region. You may have seen this in the news yesterday or today, but we are, from the proceeds of Auction Napa Valley, able to give more than $1 million over the next few years to support and to make the industry a little bit more inclusive. And so we're really proud about that. And then the fires. Of course, the fires are in the news these days, and they have had a huge and terrible effect on the Napa Valley, although we're pretty positive about the wines that are coming out. The fire started a few weeks ago and just in Napa County burned one-third of all land in the county. However, to our knowledge, I mean, actually, it's a fact, no winery burned. No winery had burned in the fires, and very, very small amount of vineyard acres, maybe a row or two at the edge of the fire zone. The fires were all in the backcountry, on the hillsides, way away from people. There were 300 people who lost their homes, unfortunately, and it's incredibly sad, but it was away from the population center and away from wineries and the vineyards. However, smoke is on everyone's minds these days, and harvest is in full swing. And we're on weekly calls with our groups of winemakers, and we are providing a lot of support. And basically, it boils down to decision-making. It boils down to our winemakers deciding what's the best thing to do with their grapes. They're constantly evaluating them, testing them, deciding how to make them and if to make them into wine. And then once they're wine, whether they're going to make it into a bottle with Napa Valley on the label or done something else with. And so our winemakers take this really seriously because no one wants to put anything in the bottle that is not worthy of Napa Valley.
And especially something that's maybe not worthy of their own brand. And so everyone's monitoring it, but we're cautiously optimistic about the harvest this year. And we are working to ensure that the wines that end up in bottle are as good as you expect them to be. So that's a little bit about that. And I'm glad to take questions on the diversity announcement, on the fire, or on anything else. But until then, I'll hand it over to you, Michelle. Thanks, Connor. I just do have two questions in regards to the fire, because I know a lot of us are asking or wondering the same thing. What does it mean for producer? Because you're talking vineyards haven't gone burnt, but breeding is difficult. So are people able to stay on site to make wine right now and receive the grape, or like what is the air conditioning? Many people were in many areas of Napa Valley on the hillsides, particularly the eastern hills, were evacuated from time to time, but the county does a good job of allowing winemakers and workers to go into the evacuated areas during the daytime, make sure it's safe, but then they can go in, they can make their wine, they can check on their fermentation, and then they'll come out at night. So there was minimal disruption to the winemaking process. And I mean, with COVID these days, everyone's wearing a mask anyway. So you put on your N95 mask and you're good to go. You're protected from smoke and from fire, smoke and COVID all at the same time. And so I think we had very little, COVID is actually more of a concern as far as the winemaking process, making sure your harvesters and your sorters and your cellar workers are appropriately socially distanced. So the fires have had very little effect on the mechanics of making wine. However, the decisions about what to do with the grapes, how the grapes are treated, and overall whether the wines will be made are a different story, but each winemaker is making those decisions, testing their grapes to make sure that they are making the best wine that they can given the circumstances. Thank you. You're welcome. So welcome everyone. Merci d'être là ce matin. I'm going to switch in French, but okay. At some point in the presentation, I'll turn over to you and ask you questions or two in English. I'll go ahead and sound and video just so I'm not distracting, and I'll let you continue in French. And when I hear English, I will perk back up. Merci. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Et merci Claudie et Raymond. C'est un plaisir pour moi de présenter ce matin au nom de Napa Vintners. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savez. J'ai habité dans l'Ouest pendant 20 ans. Donc, pour moi, Napa Valley, c'était une région qui était où j'allais chaque année, des fois plusieurs fois par année, parce que c'était à côté, c'était pas très loin, hein, c'était 3 heures en avion. Et donc, j'ai eu la chance d'être là pendant plusieurs millésimes, au moment des vendanges même. Donc, je dois avouer qu'en préparant cette formation, j'étais un petit peu nostalgique aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une heure ensemble. On passera pas à travers toutes les subtilités de Napa parce que c'est facile de mettre toutes les choses dans un même panier, en fait, lorsqu'on parle d'une région. Et pour y avoir passé beaucoup de temps, les subtilités sont très grandes et nombreuses. Puis on va regarder pourquoi aujourd'hui. Donc, après aujourd'hui, lorsqu'on termine la présentation, j'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche pour après, justement, continuer à apprendre davantage. Et si vous allez sur le site de Napa Valley Vintners, vous allez voir qu'il y a vraiment un site qui est très, très bien fait avec beaucoup, beaucoup d'informations qui vont être au-delà de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui fait la typicité hein, de Napa. On va regarder évidemment climat, sol, viticulture, production, puis on va terminer aussi avec l'histoire. Alors, j'ai pas besoin, vous êtes des habitués, vous connaissez le vin, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le terroir et le sol, mais je pense que la carte, en regardant la carte, on comprend déjà beaucoup des éléments qui influencent le type de vin qu'on produit à Napa.
Donc, évidemment, on n'est pas très loin de l'océan Pacifique et ça, ça joue un rôle très, très important. On va avoir la proximité de l'océan Pacifique. On a un courant d'eau froide qui est le même qu'au Chili, en fait, qui monte jusque sur la côte ouest américaine. Et ce courant d'eau, évidemment, refroidit la côte, mais aussi... qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a une petite ouverture ici qu'on appelle San Pablo Bay, ben on va avoir chaque fois qu'on a une ouverture, hein, pas juste à San Pablo, mais chaque fois qu'il y a une petite ouverture, ça va permettre au brouillard de s'installer dans la région et de rafraîchir cet endroit-là. Donc on va avoir d'une part l'influence de l'océan. Et on va aussi avoir, on va voir tout à l'heure, l'influence des montagnes qui va être très importante. On n'est pas très loin de San Francisco. Lorsqu'on va regarder l'histoire, l'historique de la région, ça aussi, ça a joué beaucoup, beaucoup un rôle sur le marché, sur les connaissances et sur l'essor aussi des vins de la région. San Francisco a toujours été un marché très important, évidemment, pour les vins de Napa. On va revenir à cette carte plus tard dans la présentation, mais voici ici toutes les appellations de Napa Valley, hein, donc toutes les sous-appellations finalement. Je pense que les consommateurs connaissent le nom Napa, mais toutes ces sous-appellations gagnent à être partagées, communiquées et expliquées. Et même que certains producteurs parfois vont décider d'aller, par exemple, avec le nom, l'appellation Napa Valley plutôt que d'utiliser la sous-région parce que justement, les consommateurs ne connaissent moins ces sous-régions. Je pense que c'est notre travail, on a tous un travail, les agents, les sommeliers, les enseignants, à communiquer cette information-là parce que, comme je le disais, la diversité est énorme. J'aime diviser un peu la région en trois. Donc, d'abord, il y aura ce qu'on appelle le plancher de Napa. Hein? On appelait ça en anglais Napa, the floor, the valley floor. Donc, le plancher qui commence, on va voir ici Oak Knoll, ensuite Staglieb's, Yonville, Oakville, Rutherford. Donc, on est vraiment sur le plancher. Et ce plancher-là est encadré par deux montagnes. On a la montagne à gauche qui va être Mayacamas, donc qui va être en fait à l'ouest. Et à l'est, on va avoir les montagnes Vaca. Et donc, ces montagnes-là, sur ces montagnes-là, on va avoir des appellations qui vont être très uniques, qui vont être différentes. L'expression des vins va être différente que des vins qu'on retrouve plus sur le plancher. Donc, on va avoir, par exemple, sur les Vaca, on va avoir Owl Mountain, on va avoir Atlas Peak. Et sur Mayacamas, on va avoir Mount Beater, on va avoir Spring Mountain et Diamond Mountain. Et ensuite, il va avoir les appellations parallèles, si on veut, comme Chili's Valley et Wild Horse. Donc, on divise un peu en trois. On aime ça lorsqu'on étudie une région, de faire des conclusions rapides. Hein? On aimerait donc ça que ça soit noir ou blanc en disant « voici le style unique de Owl Mountain, voici le style typique de Rutherford ». On va voir au long de la présentation que c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de microclimats, on va voir qu'il y a beaucoup de diversité dans les sols, il y a aussi la méthode de vinification, la philosophie des producteurs, il y a le type de cépage qu'on utilise. Donc, tout ça fait en sorte que malgré une compréhension qu'on a en général, lorsqu'on va plus profond, on se rend compte que, waouh, la diversité, elle est bien présente et nuancée. Donc, Napa Valley, si on pense à Napa, on pense à qualité tout de suite. Hein? C'est 4% des vins de Californie, mais on ne retrouvera pas à Napa Valley. On sait qu'en Californie, il y a des endroits qu'on va faire des vins d'entrée de gamme. On ne peut pas parler d'entrée de gamme à Napa Valley. C'est des vins qui sont produits en petite quantité où la qualité est toujours au cœur
des vins, hein, toujours au cœur des valeurs des producteurs. Et ça, que ce soit du moment où on travaille la vigne jusqu'au moment où on met le vin dans la bouteille, chaque étape va être conçue pour produire un vin au final qui est très, très qualitatif. Je trouve ça intéressant aussi de le remettre en perspective. 4% des vins de la Californie, mais 0,4% des vins du monde. Et ça aussi, ça nous rappelle un peu, hein? Donc, 78% des membres de Napa Vintners, Napa Valley Vintners, produisent 10 000 caisses de vin par année ou moins. Donc, c'est pas beaucoup 10 000 caisses, hein? Donc, on est en petite production, on est en vin très qualitatif. Et des histoires de famille. On a beaucoup de domaines, c'est des familles qui sont derrière ça, c'est des valeurs familiales. Et ça, je pense que, évidemment, on le sait que lorsqu'une famille est derrière un domaine, ça joue beaucoup sur la façon dont on fait les choses, les valeurs qui sont au cœur d'une compagnie. Alors, un impact économique très important, et je pense qu'on s'en rend compte plus que jamais avec les effets de la COVID en ce moment, à quel point le domaine viticole est important économiquement pour les emplois, pour la viabilité des gens. Les cépages principaux, évidemment, sont, pense à Napa. On pense à Cabernet Sauvignon, hein? C'est ça vient de soi, c'est vraiment le cépage roi. Mais c'est important de se rappeler que le Cabernet Sauvignon est là depuis longtemps. Par contre, il est vraiment le centre de la production, beaucoup depuis les années 90. Et si on regarde l'histoire de la région de Napa, ce qu'on va faire au final de la présentation, puis qu'on va dans la région de Napa, on se rend compte qu'on retrouve presque toutes les lettres de l'alphabet, hein, au niveau des cépages. On va retrouver l'albarino, on va trouver le Zinfandel, donc vraiment du A à Z. On retrouve une infinité de cépages au-delà du Cabernet Sauvignon. Et oui, le Cabernet Sauvignon, il est roi pour une raison, parce qu'il s'épanouit sur ses terroirs, parce que ce cépage transporte un lieu, est capable de transporter la diversité qu'on retrouve à Napa. C'est un cépage noble, qui a aussi le potentiel de vieillissement, qui va nous rendre dans une bouteille des vins très, très grands après plusieurs années. Mais vraiment, ça vaut la peine de parcourir, et la liste qu'on a là au tableau, elle n'est pas assez longue. Comme je vous disais, on peut retrouver l'Albarino, on peut retrouver du Sangiovese, du Tempranillo. On va voir que dans l'histoire de Napa, il y a eu des immigrants qui sont arrivés aussi à un certain moment, qui ont amené avec eux des cépages d'un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, le Cabernet Sauvignon, c'est certain que c'est le cépage qui est recherché, qui va nous donner une grande valeur dans la bouteille, qui va être très coûteux aussi, hein. J'ai pas regardé dernièrement, mais je sais que l'an passé, quand je regardais les prix par tonne, ça peut aller facilement à 7 000 $ par tonne lorsqu'on achète le raisin. Donc, la valeur est très élevée. Mais au-delà de ça, il y a vraiment d'autres cépages. Je prends l'histoire de la Petite Syrah qui est toujours intéressante, et je vous invite à poser des questions aux producteurs, parce que moi, j'ai toujours une réponse un peu différente. La Petite Syrah, c'est un cépage. On a utilisé ce nom-là pour nommer plusieurs cépages dans la région, dont le Durif, dont la Syrah. Mais je me souviens d'avoir, dans un des voyages entre autres, posé la question à différents producteurs: d'après vous, c'est quoi l'origine de la Petite Syrah et qu'est la Petite Syrah? Et j'avais vraiment des réponses différentes selon les producteurs, selon cette Petite Syrah qui, en général, on est d'accord qu'on va dire que c'est le Durif, qui fait des vins très, très intéressants aussi. Puis évidemment, on a plein d'assemblages. Et parce qu'on a un terroir diversifié, des climats diversifiés, on va être capable de produire des pinots noirs, des chardonnays, des sauvignons blancs, donc des vins avec beaucoup de fraîcheur aussi. Le Cabernet Sauvignon, c'est pas mineur, on le disait, 12% des récoltes annuelles en Californie.
Et si on regarde la valeur, hein, ça représente 40 % des récoltes, mais 60 % de la valeur. Donc, c'est très, très important. Et on pourrait en parler longuement, mais ce serait intéressant de faire une autre présentation et de parler au producteur en disant « Oui, le Cabernet Sauvignon, il est là pour rester et pour de bonnes raisons. » Ce serait intéressant aussi de voir au fur et à mesure qu'on vit les changements climatiques, à quel point on va peut-être, je pense, je ne sais pas si c'est ma théorie, et là je fais une petite parenthèse de la présentation, mais ce serait intéressant de voir au fil des années à quel point on choisit peut-être de remettre de l'avant certains cépages qui sont très adaptés aux conditions plus chaudes qu'on connaît, aux conditions de sécheresse qu'on connaît aussi. Donc, par exemple, le Zinfandel qui est très adapté à des conditions de sécheresse. Donc, ce serait intéressant de voir l'évolution des cépages, mais certes, le Cabernet Sauvignon demeure un cépage noble qui produit des vins très qualitatifs et qu'on met de l'avant. On pourrait passer des heures et des heures sur comment expliquer les sols de la région et je vais essayer de faire un résumé parce que je pense que c'est important pour nous de comprendre les sols. Après, on sait très bien que lorsqu'on est un sommelier dans un restaurant ou un agent qui parle au conseiller en vin à la SAQ ou qui parle au consommateur, comprendre les sols, c'est important pour comprendre un peu ce qu'il y a au final dans le verre, mais c'est sûr que on ne parlera pas en long et en large des sols. Donc, je vais passer là-dessus, mais je vous invite encore là, si vous voulez vraiment, vraiment déchiffrer toutes les nuances des sols. Il y a plus de 33 différents types de sols à Napa, donc c'est très complexe. Allez sur le site, il y a plein de livres aussi là-dessus. Ça vaut la peine parce que c'est complexe. Mais on va voir, en général, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on retourne à vraiment très, très longtemps. Donc, 25 millions d'années, il y avait deux plaques tectoniques. Hein, il y a eu vraiment une collision de plaques tectoniques. Donc, on avait la plaque de l'Amérique du Nord et la plaque descendante de Farallon. Et la plaque de Farallon, comme vous voulez, vraiment, là, la collision pousse vers le bas. Hein? Donc, on a une collision de ces deux plaques-là. Et cette collision-là, le mouvement de cette collision-là a créé deux roches-mères importantes qu'on connaît aujourd'hui à Napa. Donc, d'une part, on a eu cette collision de plaques a fait en sorte qu'on a eu l'érosion des montagnes, puis on a créé de la roche sédimentaire. Okay? Donc, ça, c'est en premier lieu. Désolée, mon écran est un petit peu gelé ici. Donc, on a eu l'érosion des montagnes et on a eu la roche sédimentaire qui se crée. Et de l'autre côté, on a eu un dépôt océanique. Parce que là, avec le mouvement, hein, on avait évidemment le mouvement de l'autre plaque a fait en sorte que ça a amené des dépôts océanique sur le plancher. Donc là, on se retrouve avec ces deux roches-mères importantes et par-dessus ça, et là, la troisième chose qui arrive, on a eu ces plaques-là qui ont en fait changé. Ils ont changé de place. Hein? Donc, ces deux plaques tectoniques qui changent, qu'est-ce qu'ils font? Il se dirige, donc le plancher océanique se dirige vers le nord. Donc, ça, c'est un chiffre très, très important. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée une faille et cette faille-là va permettre l'éruption volcanique. Il n'y avait pas de volcan à Napa. C'est vraiment cette faille-là importante qui fait l'éruption d'un volcan. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Bien, on a la lave volcanique qui vient se déposer sur ce qu'on avait déjà, sur les deux autres roches-mères qu'on avait, donc les deux autres formations qu'on vient de voir. Donc, on a ces trois blocs-là qui ont formé les roches-mères importantes de Napa. Et donc, on regarde ici, évidemment, si on revient au début, lorsque je vous expliquais que d'un côté, le côté ouest, on a la vallée de Mayacamas, et du côté est, on a les montagnes Vaca. Et ces deux montagnes-là sont vraiment le résultat de l'éruption.
Et si on regarde si on regarde Owl Mountain, on regarde Atlas Peak jusqu'à Combsville, ça c'est vraiment, on a vraiment de la roche volcanique qui est vraiment le résultat de cette éruption-là, par exemple. Et donc, aujourd'hui, si on regarde les trois grands types de sols, et ça change vite, hein? Là, on regarde ces trois types de sols-là, mais je vais vous montrer une carte après qui vous montre toutes des couleurs, là, qui montrent à quel point c'est compliqué. On met trois grands types de familles, mais ces types de sols-là se rencontrent parfois et changent rapidement. Mais on dit qu'en général, le sol des montagnes va être plus pauvre. Donc, ça fait quoi? C'est que naturellement, des sols plus pauvres comme on retrouve sur les montagnes, hein, qui est l'effet de l'érosion, donc on retrouve des sols plus pauvres, ça fait qu'en général, on aura des rendements plus faibles. Évidemment, on sait très bien qu'on peut contrôler les rendements dans la vigne, mais si on a naturellement un sol qui est pauvre, ça va mener à des rendements plus faibles. En général, on va retrouver aussi sur les montagnes des raisins qui sont plus petits. Alors, si on revient au Cabernet Sauvignon, par exemple, on sait qu'en général, le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui a une peau épaisse avec des pépins assez gros. Et ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on a peu de jus pour les tanins, hein, pour les pépins et pour la peau. Et donc, déjà, on a quelque chose qui est assez tannique, mais si on va sur les montagnes où on a un sol plus pauvre, ça crée des rendements plus faibles, mais aussi des raisins plus petits. Donc, on aura encore plus de concentration et encore plus de tanins. Okay? Donc, ça, c'est une des choses qu'on remarque. Si on va sur les alluvions, qui ont été emportés par les rivières. Les alluvions, ben, c'est des roches plus grosses. On va avoir du sable aussi là-dedans, on va avoir des roches. Et les roches vont accumuler la chaleur et vont accélérer la maturité. Okay? Et ça va aussi offrir un très bon drainage. Puis je reviens au Cabernet Sauvignon, qui est le cépage roi. Le Cabernet Sauvignon, par exemple, aime beaucoup ce type de sol. Et ensuite, on a les fluviaux, où est-ce qu'on aura peut-être plus de matière organique. On aura par exemple de l'argile et des cépages comme le merlot va s'épanouir sur ce type de sol-là. On va aussi retrouver sur les fluviaux peut-être des vins plus généreux, plus denses. Ça, c'est encore là des généralités parce que le sol, c'est qu'une partie. Hein, ça contribue au style final, mais c'est tout le reste. Ça, c'est vraiment quelque chose de général. Donc, ici, on vous le dit, donc, et en effet, sur les montagnes, des tanins qui sont structurés. Alors que sur les alluviaux, on va avoir quelque chose qui est plus fruité. Hein. Comme je le disais, on emmagasine la chaleur qui va accélérer la maturité du raisin. Et sur les sols fluviaux, on aura quelque chose qui est plus opulent, plus généreux, parce qu'on a justement un petit peu plus, entre autres, plus d'argile, plus de limon. Puis ça vous donne, on décortiquera pas ça ce matin, mais ça vous montre à quel point chaque couleur est empreinte d'un sol différent. Quand je disais qu'on peut pas généraliser Napa, ce qu'on peut généraliser, c'est que la qualité est au cœur des vins. Mais après, toutes les nuances sont infinies. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Le climat, évidemment, hyper important. C'est un climat qui est méditerranéen. Un climat qui est méditerranéen, ça veut dire quoi? Une abondance de soleil. Donc, une abondance de soleil très sec. Les pluies vont être surtout concentrées en hiver. Très peu ou pas en été. On va avoir aussi des longues périodes de maturation. Donc, on va avoir un climat, une saison qui va être plus longue avec une grande période de maturation qui va permettre à un cépage, encore là, comme entre autres le Cabernet Sauvignon, qui a une maturité plus tardive, de s'épanouir. Par contre, ce qui vient jouer un rôle important à Napa, c'est le brouillard. On a regardé la carte tout à l'heure et je vous montrais qu'il y avait une petite ouverture à la baie de San Pablo.
Alors, qu'est-ce que cette ouverture fait? Bien, c'est qu'elle tire le brouillard de l'océan Pacifique. Et comme vous le voyez, le brouillard vient s'installer. Et ça, cette photo-là, j'en ai une qui est presque pareille, qui est prise à Carneros. Carneros, qui est le sud de Napa Valley. Mais ce brouillard-là, lorsqu'il s'installe, bien, ça va prendre des fois toute la matinée avant que le soleil brûle ce brouillard-là. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça va retarder la maturité. Donc, ça va permettre à des cépages comme le chardonnay, comme le pinot noir, qui aiment des climats plus frais, de s'épanouir. Ensuite, plus qu'on va aller au nord, hein, si on garde sur le plancher, le Napa, là, si on demeure sur le plancher, plus qu'on va aller sur le plancher, plus qu'on va aller au nord du plancher, moins on aura l'influence du brouillard. Donc, évidemment, il va faire plus chaud. Donc, on va avoir un style de vin plus différent. Lorsqu'on arrive au nord, lorsqu'on arrive, par exemple, à Calistoga, on arrive ici, il va avoir une petite ouverture à Chalk Hill, qui passe par Russian River et Chalk Hill. Et cette ouverture-là va amener un petit peu plus de fraîcheur. Pas autant qu'à Carneros, par exemple. Mais on va avoir un petit peu plus de fraîcheur, par exemple, à Calistoga qu'à Sainte Helena. Mais encore là, ça dépend de quel côté on est. Donc, le brouillard, où est-ce qu'on se situe par rapport au brouillard? Si on est sur les montagnes, est-ce qu'on est au-dessus des montagnes? Si on est sur les montagnes ouest ou est, au-dessus des montagnes, ce qui va se produire, on va avoir un phénomène d'inversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, on va avoir des soirées plus chaudes. Par contre, dans le jour, ça va être plus frais parce qu'on est en altitude, puis on est aussi au-dessus du brouillard. Donc, on a l'altitude qui rafraîchit, mais l'absence de brouillard fait qu'on est quand même au soleil, donc on prolonge le soleil. Donc, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'on a dans la bouteille, bien, les raisins proviennent d'où? Est-ce que c'est un assemblage de plusieurs sous-régions ou ça vient d'une sous-région? Et là, on vous met ici les précipitations annuelles. Généralement, on a plus de précipitations dans les montagnes. Un petit peu plus de précipitations aussi au nord de la vallée qu'au sud de la vallée, par exemple, à Carneros. Donc, vous voyez ici, les chiffres le démontrent. Et l'altitude, comme je le disais, lui, évidemment, on est en pied parce que c'est la mesure américaine, mais l'altitude varie sur le plancher Napa. Si on regarde de Carneros jusqu'à Calistoga, on demeure sur le plancher, on n'a pas tant de variations en altitude. On passe du niveau de la mer peut-être à 130 mètres, donc c'est pas tant. Mais lorsqu'on va sur les chaînes de montagne, on peut être jusqu'à 650, 700 mètres. Et quand j'étais là la dernière fois, je parlais à un producteur de Atlas Peak qui me disait qu'on plante de plus en altitude. Hein. C'est sûr que c'est complexe parce qu'évidemment, il y a le brouillard, mais l'altitude nous donne quand même une fraîcheur, donc avec les changements climatiques. Il y en a qui préfèrent donc c'est intéressant aussi de voir encore là toutes les nuances qu'on retrouve. La température va varier aussi. Logiquement, dans notre tête, parce qu'on pense nord-sud, on se dit tout le temps que le sud c'est plus chaud, puis le nord c'est plus frais. Ici, c'est l'inverse parce que justement, le sud de Napa est très, très influencé par le brouillard, alors que lorsqu'on monte au nord, vers Sainte Helena, ce brouillard a beaucoup moins d'influence. Donc, la température va varier. L'écart de température entre le jour et la nuit va être important aussi. Si on prend, par exemple, Atlas Peak, on peut avoir 10 degrés, on peut avoir, je parle en Fahrenheit, mais on peut avoir un écart de 10-12 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Donc, l'écart de température entre le jour et la nuit va aussi nous offrir la possibilité de garder une certaine fraîcheur dans les vins, même si on a la puissance qui est exprimée, une conséquence du soleil qui est bien présent, si on est au-dessus du brouillard sur les montagnes, on aura cette altitude qui vient nous donner justement cette fraîcheur. Donc, je vais remettre cette carte parce que là, je viens de tout vous parler de toutes ces appellations juste pour vous les remettre en tête. Hein. Donc, si on revient à une petite révision là, de ce qu'on vient de faire,
si on est à Carneros, c'est la baie de San Pablo qui vient vraiment balayer avec le brouillard. Si on monte un peu, Oak Knoll, Staglips, vous allez voir que dans ces régions-là, on est encore un peu influencé par le brouillard. On a encore une certaine fraîcheur. Et plus qu'on monte, parce qu'on arrive à Oakville, parce qu'on arrive à Rutherford, on a très peu d'influence du brouillard. Sainte Helena, on dit que c'est une des régions les plus chaudes, des sous-régions les plus chaudes de Napa Valley, donc très, très chaud. Donc les vins sont, on est sur l'opulence. Et lorsqu'on arrive à Calistoga, bien là, ça, je vous dis, on a une petite ouverture qui fait en sorte que ça peut être chaud, mais un petit peu plus frais qu'à Sainte Helena parce qu'on a justement cette ouverture. Intéressant aussi, lorsqu'on regarde des photos parfois des montagnes, par exemple, de Vaca versus à l'ouest de Mayacamas. Mayacamas, pour un rappel, là, de l'autre côté de Mayacamas, on retrouve Sonoma. Donc, c'est Mayacamas, la chaîne de montagnes de Mayacamas qui sépare Napa de Sonoma. Et si on regarde une photo des montagnes de Mayacamas versus Vaca, on va voir que c'est plus vert au même moment de l'année, par exemple à l'été ou à la fin de l'été. Souvent, c'est plus brun, c'est plus sec à Owl Mountain ou à, par exemple, à Atlas Peak, que si on regarde des photos de Spring Mountain ou Mount Veeder. Pourquoi? Parce que les vignes ils ont une exposition ouest à Owl Mountain et à Atlas Peak. Donc, ça fait quoi? Ça veut dire qu'on va avoir le soleil très chaud de l'après-midi. Donc, ça, puis on est au-dessus du brouillard, hein, si on est en altitude. Donc, ça va venir créer... le soleil est très, très puissant, très chaud. Alors que de l'autre côté, Spring Mountain, Mount Veeder, Diamond Creek... Diamond Mountain District, on aura une exposition est. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir plus le soleil du matin. Donc, on n'aura pas le soleil très, très intense de l'après-midi. Et donc, ça va aussi influencer sur le style de vin produit. C'est intéressant de regarder l'évolution de la viticulture à Napa. On pourrait prendre une photo d'un même vignoble et voir qu'à l'intérieur de ce même vignoble-là, on a un peu de tout. On a du cordon, on a du guillot, on a du gobelet, des vieilles vignes de gobelet, donc plusieurs types. C'est complexe parce que l'histoire est longue et complexe aussi. On va regarder, par exemple, à la fin de la présentation, on va faire un petit peu d'histoire, puis on va regarder que au cours de l'histoire, on a eu plusieurs périodes de phylloxéra. Et donc, dans la deuxième vague de phylloxéra qui a eu lieu dans les années 80, on a eu la chance de se dire, OK, on a eu une vague où est-ce qu'on a planté beaucoup, beaucoup de vignes à Napa. Et lorsqu'il y a eu la deuxième vague de phylloxéra, on a perdu presque le deux tiers qu'on a dû replanter dans les années 80, mais les gens se sont dit, OK, voici notre chance de peut-être mieux faire les choses, de peut-être décider quel cépage, de faire justement regarder attentivement les sols et de se dire, on va vraiment se pencher sur quel cépage va mieux, sur quel type de sol, et aussi de se pencher sur la façon, la taille de la vigne et la façon dont travaille la vigne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toute cette diversité lorsqu'on regarde la viticulture, de la taille de la vigne. Il y a un grand nombre de... On a parlé de climat méditerranéen, donc évidemment, il va y avoir un grand nombre de vignes qui vont être irriguées, le goutte-à-goutte, où est-ce qu'on a des instruments technologiques pour être très, très précis sur l'eau qu'on donne aux vignes. On le sait,
l'eau est rare et de plus en plus rare. Hein. Ceux qui suivent ce qui se passe en Californie, on parle souvent de feu, mais on parle souvent de sécheresse et ça aussi, c'est très présent à Napa. Donc, évidemment, les producteurs sont très, très conscients de la valeur de l'eau, non seulement pour la qualité du vin, mais aussi pour la protection de l'environnement. Donc, on va avoir des instruments très, très précis qui vont permettre aux vignerons de décider justement contrôler l'eau qu'on donne dans le goutte-à-goutte aux vignes. J'ai mis quelques photos aussi juste pour vous donner un exemple hein, de différents styles qu'on retrouve. Là. Et ça, ça témoigne justement de l'histoire et toutes les phases qu'on a vues de l'histoire de Napa. Donc, ici, vous avez le cordon, les vieilles vignes. On a un cordon, là, donc des vieilles vignes. Puis ici, on a des vieilles vignes et des vieilles vignes de Zinfandel. Pour ceux qui connaissent peut-être le producteur Hendry, Mike Hendry, il fait des vins sur Hendry. Mais ça, c'est ces vieilles vignes de Zinfandel à Coombsville je me souviens quand j'étais à côté de ces vignes-là, si je m'étais penchée, j'avais vraiment forcé, la vigne serait tombée à côté. Donc, ce sont des très, très vieilles vignes qui ont très, très peu de rendement, des vieilles vignes de Zinfandel, qui fait partie de l'héritage aussi de Napa, qui sont non irriguées, qui font des vins d'une grande complexité, très, très, donc encore là, très qualitatif. Donc, on voit à quel point les vignes sont espacées, sont vieilles, continuent à produire. Donc, tout ça se retrouve et ça fait partie de l'héritage et de l'histoire. La viticulture qu'on voit aujourd'hui témoigne de cet héritage et de cette histoire aussi. J'adore cette photo-là parce que lorsqu'on enseigne la viticulture, on dit toujours aux gens passer du temps, hein. Faut que les gens passent du temps, faut qu'on ait d'abord des bons fruits, faut qu'on passe du temps dans les vignes. Et cette photo-là a été prise, je visitais Dahlia Vieilleux qui est sur Owl Mountain, et Dahlia allait vendanger littéralement le lendemain. Elle est en biodynamie et cette dame, elle est extrêmement, extrêmement méticuleuse. Elle est toujours dans ses vignes. Son équipe travaille avec elle d'une façon acharnée. Et vous voyez à quel point, là, on a vraiment l'image du vignoble parfait. Tous les raisins sont exactement à la même hauteur, la même exposition au soleil. Tout est parfait. Hein? Et ça, pour moi, c'est un peu l'image de Napa, dans ce sens que on se vraiment la qualité à tout prix, hein, dans tous les sens. Et ça, je pense que cette photo en témoigne aussi. Donc, si on fait un petit résumé sur la viticulture, ben c'est encore là, c'est complexe. Hein. On a parlé de climat, on a parlé de sol, on ajoute à ça la viticulture, la topographie, les microclimats, puis toutes les pratiques viticoles, ben on ajoute une autre couche à la diversité. On a tendance à mettre, lorsqu'on parle de vinification puis qu'on parle de Napa, je trouve qu'on a tendance à aller vite aux conclusions. Moderne, surboisé, je suis très honnête parce que je le sais que les gens disent ça, honnête, surboisé, très, très qualitatif. Je vais répondre à une question dans 30 secondes. Je viens de voir une question, là, je vais vous répondre dans 30 secondes. Donc, lorsqu'on parle de la vinification, on a tendance à se rendre vite aux conclusions. Et si vous avez encore ça en tête, peut-être que c'est le temps de revisiter ces clichés et d'aller visiter les domaines ou de parler aux producteurs. Parce que oui, pourquoi la région de Napa a produit des vins qualitatifs aussi rapidement dans l'histoire nordaine, c'est qu'il y avait une université comme l'Université Davis qui avait un centre de formation pour les vignerons et qui très rapidement ont eu accès à les technologies et aux connaissances pour faire des vins qualitatifs. Mais c'est comme dans tout, on apprend et au début on veut tout contrôler, puis après on évolue là-dedans aussi. Donc aujourd'hui, le fût de chêne neuf, par exemple, est présent, mais on l'utilise d'une façon beaucoup plus judicieuse qu'avant. Les méthodes de vinification, à un moment donné, on ajoutait toujours des levures. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de producteurs, par exemple, qui travaillent avec des levures indigènes. Donc,
ce qu'on fait dans le chai a beaucoup évolué. On a cette connaissance toujours derrière qui est hyper importante. Hein? Je dis toujours, pour faire très peu, il faut connaître beaucoup. Donc, il y a cette connaissance derrière. Mais je vous dirais que ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et ça aussi, selon la philosophie du producteur, on va avoir une diversité aussi dans les vins. Parce qu'il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser qui varient selon la philosophie. Encore là, la qualité qui est toujours au cœur. J'ai une question, je vais y aller. J'ai une question. Est-ce que le Primitivo est un clone de Zinfandel? En fait, on pourrait en discuter longuement. Comme dans tous ces pages, il y a plusieurs clones. Le Zinfandel est arrivé d'abord de la Croatie. Hein? C'est les Croates qui ont amené le Zinfandel. Puis il y a beaucoup de Croates en Californie. On parlait tout à l'heure d'une vague d'immigrants, donc les Croates en Californie. Et donc, le Zinfandel est arrivé de la Croatie. On est allé dans les Pouilles, où ce qu'on l'a nommé Primitivo, et Zinfandel en Californie. Est-ce que c'est le même clone? Je pense qu'un cépage, là, et je pense que les producteurs pourraient, puis je vais poser la question encore une, parce qu'il y aurait sans doute une réponse aussi, mais je vous dirais que, en général, lorsqu'un cépage s'adapte dans une région, puis qui est là depuis longtemps, il va développer sa propre version. Hein? C'est juste naturel. Donc, le cépage Zinfandel qui part de la Croatie, qui s'en va dans les Pouilles et qui s'en va ensuite dans la Californie, il s'adapte. Il devient sa propre version qui va, puis éventuellement, on va avoir plusieurs clones. Donc, je pense que la question du clone existe dans pas mal toutes les cépages qui sont... et donc, non, c'est pas une greffe de l'Italie, c'est vraiment un cépage qui est arrivé de la Croatie. Connor, I'm going to ask you a question. You're still there? Yes, I am here. So we had an interesting question and I answered it, but I kind of want to know your opinion on this. So I was explaining that Zinfandel came from Croatia and then, you know, went to Puglia in Italy and then went to California. And I know that in California, of course, once a grape has been there for many years, inevitably there's a lot of different clones of a grape. But, I think there was a question in terms of the different clones that are when it comes to Zinfandel. Are people talking a lot about it right now? You know, I don't think people are talking a lot about different clones of Zinfandel, as not as much as they talk about it with Cabernet and with, say, Chardonnay or Pinot. Zinfandel is still grown in Napa Valley about, 600 hectares, maybe, out of 20,000 hectares about. So relatively small in Napa. I bet if you go over to Lodi, they would talk more about clones of Zinfandel. But I do say there is both Primitivo and Zinfandel planted in Napa. And for example, Chateau Montalina makes a really fantastic, more old school restrained Zinfandel. And most of those vines are actually Primitivo. But after genetic testing, it came back that the two grapes were essentially the same. They're just basically one clone of another. So, exactly. Chateau Montalina just markets it as Zinfandel for ease's sake because it's Zinfandel sells better than Primitivo in America. Exactly. And fun fact: there's a small wine. Michelle, are you familiar with Lijer Meredith, Carol Meredith? Yeah, yes. Well, she had a winery, Lijer Meredith, and she was the actual one, the genetic scientist that dissected or uncoded the clone of Zinfandel. Yes. So, yes. Cool. If you want, I invite you to read about her and all the work she's done in terms of, she's done tremendous work when it comes to clones, and if you're ever in California, in Napa, highly recommend to go and visit her. You have Mike Hendry, and she's just above in the Yeah, and the wines are fantastic, and she's a wealth of information. You could stay with her for weeks and not pick a quarter of the brain. So yeah, she's done a lot of work in that.
And if you go to her website and you can't find Zinfandel, it's because she calls it Tribadog. Another name for that wine that has gone out of fashion, but that's what she labels it as. I love it, which is the origin, the Croatian name. Yeah. Yes. Thank you. I love that you mention her because I'm a huge, huge fan of her. She's fantastic and such a leading lady in the wine industry. She is, yeah. I think that a region like Napa, when you move forward so quickly in terms of quality, you can only achieve that if you work together and you share the information. We're talking about Meredith. I think she was one of the person who did that, but there's a lot of collaboration of, I'm speaking in English now. Je vais switcher en français. I always do that. You know, you switch French and English. Je reviens en français. Mais on parlait de Meredith, en fait, qui a fait beaucoup de recherches justement sur la génétique des cépages et des clones. Et je disais que la région de Napa, au final, on arrive toujours à une qualité aussi... l'histoire moderne est assez récente. Et comment on arrive à une qualité? Ben, c'est le partage du savoir. C'est la collaboration, le partage du savoir qui est absolument essentiel pour arriver. On pourrait parler de l'histoire pendant des heures et des heures, et c'est certainement fascinant. Je vais passer plus rapidement sur l'histoire des années 1800, puis je vais peut-être plus me pencher sur l'histoire moderne pour qu'on puisse voir les événements majeurs qui ont contribué à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Alors, intéressant, hein? C'est intéressant quand même de regarder parce que c'est l'histoire a débuté dans les années 1800. Donc, Georges Calvert, Yount, le nom le dit, Yount, hein, on pense à Yountville, c'est lui qui a fondé la ville Yountville, et c'est aussi lui qui a planté les premières vignes à Napa. Donc, on remonte quand même à loin. Et donc là, arrive après la ruée vers l'or, qui a été hyper importante pour la Californie. Hein? Et c'est intéressant de voir, aujourd'hui, on connaît beaucoup, beaucoup Napa, mais Sonoma, qui a vraiment connu la ruée vers l'or et peut-être avant, qui était le berceau, Napa est arrivé un peu plus tard dans l'histoire du vin. Mais la ruée vers l'or a été hyper importante. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a amené beaucoup d'immigrants. Les gens arrivaient dans la région de partout pour travailler. Et ça fait partie de l'histoire. Lorsqu'on regarde l'histoire de la vigne, hein, tous ces immigrants qui sont arrivés ont influencé la région. Puis ensuite, on a la naissance de l'industrie viticole. Le premier vignoble commercial, ça a été en 1861 avec Charles Krug, qui a établi le premier vignoble commercial. Puis ensuite, hein, c'est Inglenook, donc Gustave Nibaum, qui fonde Inglenook et qui embouteille pour la première fois le vin et qui le vend. Et regardez regardez Tokelon, un nom qu'on connaît bien, un vignoble hein, qui fait partie de l'héritage de Napa qu'on connaît très, très bien. On a fondé Tokelon. Regardez où est-ce qu'on est dans l'histoire. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, regardez, on produit plus de 400 types de cépages. Alors, quand je vous disais la diversité de Napa, là, hein, qui était au-delà de Cabernet Sauvignon, l'histoire était bien là. Et déjà, donc, le premier boom, on connaît à peu près 140 domaines. Et là, arrive après ça... la première vague de phylloxéra qui ravage les vignes comme partout dans le monde, évidemment. Et donc, on passe rapidement à une surface de plus de 15 000 acres à 2000 acres en 12 ans. Donc ça ravage complètement. Et après, arrive une série d'événements qui font en sorte que ça prend du temps à s'en remettre. Hein? On a un tremblement de terre, évidemment, qui fait disparaître 30 millions de gallons de vin. Donc, c'est énorme. Ensuite,
on a la première guerre mondiale, et comme si ce n'était pas assez, on a ensuite la prohibition. La prohibition qui a eu un impact, qui a duré au-delà des années 1900, au-delà de cette période. Hein. Je me souviens, dans une conférence, Margaret Mondavi, la femme de Robert Mondavi, était là. Et M. Mondavi était décédé. Elle était venue faire un hommage à son mari. Et Mondavi a établi Mondavi en 1966. Et elle disait que à ce moment-là, son mari était allé, il allait dans les restaurants puis regardait sur les tables et les gens buvaient des spiritueux. Ils buvaient beaucoup, beaucoup de spiritueux parce qu'on sait le bootlegging, hein, toute la fraude, tout ce qui rentrait par derrière à l'époque de la prohibition, mais c'était des spiritueux. Et ça a vraiment développé une culture de spiritueux aux États-Unis. Et donc, Mondavi dit, quand il a commencé son domaine en 1970, il a dit à sa femme, « Mon rêve, c'est que, avant que je meure, lorsque je retournerai dans ces restaurants et je regarderai sur les tables, les gens auront non pas un verre de spiritueux, mais un verre de vin dans leurs mains. » Et il y avait cette vision. Et il y avait cette vision aussi que Napa devienne un centre où on a des restaurants, où on a des bed and breakfast, où on se retrouve pour partager un repas autour d'une bouteille de vin. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la prohibition a perduré. Les effets secondaires de la prohibition s'est fait sentir pendant un bon moment. Oups, j'ai avancé. Et ensuite, évidemment, on a eu la Grande Dépression. Donc, la relance est très longue. Et après, bien, on sait qu'il y a plusieurs familles qui ont joué un rôle important. On pense de la famille Mondavi, évidemment. André Telechef, qui était un grand œnologue, qui a beaucoup influencé la qualité des vins, qui a consulté pour plein de monde aussi à Napa. Donc, un très grand homme qui a contribué à l'avancement de la qualité des vins. Et en 1944, arrive quelque chose de très important, on fonde Napa Vineyards. Et ça, c'était hyper important. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous venez de passer à travers toutes ces difficultés, et il faut vraiment être fort pour continuer, pour se dire on va y arriver, malgré tout ce qu'on vient de vivre, on va remettre cette industrie sur pied, puis on voit un futur. Et donc, Napa Valley Vintners, quand cette association s'est formée, je pense qu'a beaucoup, beaucoup contribué à faire en sorte que les gens puissent collaborer pour continuer ensemble. L'autre chose très importante, en 1968, on décide de protéger la zone agricole de Napa. Et ça a été la première zone de conservation aux États-Unis. Et ça fait en sorte que cette zone-là demeure une zone agricole. Qu'aujourd'hui, on n'a pas une Napa qui est remplie, par exemple, de terrains de golf, d'hôtels. On retrouve encore une grande partie qui est dédiée aux vignes. Donc, ça a été un moment très, très, très important. Ça a été la première zone de conservation. Et là, regardez, c'est intéressant de voir Santa Clara versus Napa. Hein? Napa qui a été préservée comme zone agricole, alors que Santa Clara ne l'est pas. Et on voit la différence. Et donc ça, ce qu'on retrouve aujourd'hui à Napa, on doit ça à cette vision de protéger cette zone agricole en 1968. Je passe vite là-dessus, je pense qu'on connaît tout ce qui est arrivé en 1976. Un homme très connu, Steven Spurrier, avait déjà un peu, il était déjà au courant qu'on faisait du vin de grande qualité en Californie. Il y avait un petit magasin de vin à Paris qui vendait des vins pas juste français et européens et a décidé de faire un concours, hein, le Jugement de Paris, et donc invite... C'était un comparatif entre les vins de France et les vins de la Californie, de Napa. Les vins de Napa. Et on voit que, évidemment, les gagnants deviennent, on pense à Montelina Chardonnay, on pense à Stag's Leap, qui se démarquent pour leur vin. Et ça a vraiment, évidemment,
ça a un peu éveillé les gens sur ce qui se faisait à Napa, sur la qualité des vins. Et ça a été un point tournant très important. Après, en 1981, Napa Valley devient reconnue comme appellation. Donc, ça, c'est la première appellation de Californie. Ça, c'est important aussi. Puis, on commence à s'impliquer aussi socialement. On commence l'encan de Napa Valley qui, tous les fonds vont contribuer à plein d'implications sociales, par exemple, à l'implication. Aujourd'hui, en ce moment, on aide, par exemple, à l'industrie qui souffre de la COVID. Donc, cette implication sociale de Napa Valley Vintners continue aujourd'hui. Et ensuite, c'est vraiment dans les années 80-90 qu'on a une révolution qualitative. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a cette deuxième vague de phylloxéra. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'université, UC Davis, avait suggéré aux producteurs d'utiliser un porte-greffe qu'on appelle AXR1. Et donc, ce porte-greffe n'était pas aussi résistant qu'on prévoyait au phylloxéra. Donc, les producteurs utilisent ce porte-greffe et qu'est-ce qui arrive? Bien, on a une deuxième vague de phylloxéra qui ravage presque le deux tiers des vignes. Et ça a été très, très difficile à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont souffert, mais ça a été une occasion en or de regarder ce qu'on avait derrière dans nos vignes en se disant peut-être que c'est le moment de mieux replanter. Peut-être que c'est le moment de regarder vraiment les cépages qu'on a, de les associer aux bonnes parcelles, au bon sol, regarder tous les microclimats, d'avoir des meilleurs porte-greffes qui sont mieux adaptés, des meilleurs cépages. Et ça a été très, très important. On a aussi un millésime grandiose, 1997, qui est un très grand millésime, qui a été aussi propulsé justement par l'inauguration de Premier Napa Valley, qui est un encan, un encan de vin, qui met de l'avant justement les petites cuvées qui sont faites à Napa Valley. On a aussi, à cette époque-là, on avait dans les années 90, Robert Parker, on avait Wine Spectator qui écrivait sur ces vins-là aussi, qui ont aussi contribué à leur manière à mettre de la lumière sur ces vins-là. On avait aussi toutes les gens de San Francisco qui arrivaient dans la région de Napa, qui mettaient de l'argent dans les chèques, qui achetaient des vignobles, qui investissaient dans la qualité. Donc, tout ça a joué un rôle important et on arrive à ce que je vois, je pense que ça va être le futur de Napa, mais c'est pas nouveau, c'est cette implication verte, hein? Cette implication qui continue depuis 1968, mais vraiment de protéger l'environnement, de mettre sur pied plein de protocoles, des associations pour encourager les producteurs à avoir une viticulture durable, mais aussi un développement durable. Donc, Napa Green, c'est une association, c'est une certification, mais qui regarde non seulement ce qu'on fait dans la viticulture, mais dans le chai aussi. On va vraiment promouvoir le développement durable dans toute sa totalité. Hein, si vous avez un doute sur ce que ça veut dire la viticulture durable, vous pouvez retourner. J'ai fait une présentation là-dessus avec l'A3Québec il y a quelques mois. C'est sur le site, donc je ne passerai pas aujourd'hui une heure là-dessus, mais je pense qu'on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. Mais Napa a été encore là un des pionniers à mettre de l'avant justement l'environnement et protéger cette marque. Et Napa Valley Vintners travaille très, très fort aussi pour protéger la marque Napa Valley, au même titre que, par exemple, les Champenois vont avoir une association qui vont protéger la marque Champagne. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? On continue de progresser vers des vins qui sont d'une très grande qualité. On continue de mettre de l'avant l'environnement. Vous pouvez aller faire un petit peu plus de recherche si vous voulez sur la certification Napa Green, mais en gros, c'est ça, c'est qu'on promeut la viticulture durable et le développement durable. Et on continue de s'investir dans la communauté. Et
quelque chose qui m'est très cher. Vous voyez en bas le Porto Protocol. Ça, si vous voulez aller vous promener, c'est un événement qui a lieu, qui est basé à Porto, pour les producteurs qui veulent sensibiliser les producteurs de partout à travers le monde au changement climatique et de conscientiser les producteurs pour qu'au final, ils décident de prendre des gestes concrets pour réduire leur empreinte carbone dans l'environnement. Et peut-être que c'est une bonne façon de terminer, parce que je consciente du temps et je veux terminer à temps. Mais Connor, I'm going to go back to you because I want to finish here. And I was just finishing on talking about how you've always been innovating. And I think that being green to me has never been communicated enough. And today you continue to be green and to have the big vision of what sustainability means, but also you have a commitment towards climate change. And I would like, you know, I just kind of did a very brief of history, but perhaps it's a good way to finish. Maybe you can share with us the way you see Napa Valley going forward with what we know. Absolutely. So our tagline, and some people think this is really has a lot of hubris to it, or is very kind of thinks too highly of ourselves, but our mission or our like vision is that Napa Valley will be the leading wine region in the world. And people are like, okay, wait, there's a lot of great wineries. You should be one of the leading wine regions in the world. And we kind of go back and we think about it, and this is something that comes up every couple years, and we say, no, we want to be the leading wine region. Because being a wine region, it's about making good wine, but it's also about doing the right thing while making good wine. And I think that's something that's ingrained in us as an organization and ingrained in the valley as a whole. I mean, from all the way back to at least like Robert Mondavi, if not before him, but with the founding of the organization, some early leaders, especially Robert Mondavi and Andre Telichev, mm-hmm. but that we should work together and we should do the right thing for the whole. And so I think that you could see that in not only in our innovation and our wine quality and continuing to make better wine, that's only a small piece of it, but we have to take care of the environment. Because taking care of the environment means we can continue to make better wines, but it's also just about being a good citizen. It's about taking care of our neighbors. It's about giving back to the community in so many ways. And it's also about when there are big discussions in the country, and these big discussions, the big discussion today is diversity, racism, inclusivity. And we look around and so much of what we do is very, one type of person on the screen all the time, one type of person at the winery, very catering to America, like white Americans. And so we said we need to change. And so we need to put focus on the diversity, not only of who our members are, because we do have members of all stripes, but we need to put focus on the diversity of who drinks our wines. And those two go hand in hand. So I think it's a big picture of about what it means to be the leading wine region. And we invite all other wine regions to join us in doing this. And so many are working and doing things sustainably and working toward to combat climate change and so many other things. But we want to be that leading wine region to challenge others to do the right thing in the future. So. Thanks, Connor. We just lost Michelle. She's coming back. Her internet connection, just thank you very much. So, je pense qu'on peut, on peut tranquillement terminer. On va reprendre Michel avec nous qui va revenir. Merci à tout le monde. Merci, merci. On a des fidèles avec nous qui sont avec nous depuis les tout débuts. On a des nouveaux. On espère vous garder jusqu'à la fin avec la semaine prochaine. Claudie, bonjour. Merci pour tout. Puis bon, rendez-vous la semaine prochaine avec les vins de Napa. Michel, de retour? L'internet a arrêté subitement. I'm so sorry. No problem. Donc, j'étais en train de... That's what happened. Merci. Merci. Un grand, grand merci à tous. La formation est évidemment enregistrée. On va la déposer tout à l'heure. Fait que si vous voulez la revoir ou la partager avec des collègues qui ont envie d'en apprendre sur les vins de Napa Valley, partagez.
Yeah, merci Connor. Thank you very much. Thank you so much for your insights. Merci Claudie, merci à Trois-Québec. Et je voulais juste terminer en vous disant, je vous invite vraiment à aller sur le site de Napa Valley Vintners. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Une heure ne rend pas justice à tout ce que la région est. Donc, j'espère vraiment qu'on vous donne le goût d'aller plus loin et de découvrir ces vins et la diversité que cette région a offert. Thank you so much. Thank you all. Merci beaucoup. Thank you. Thanks. Merci.